Bon matin! Bon matin! Excusez! On est samedi aujourd'hui. Il est 6h du matin. C'est ma fin de semaine de travail. Donc, samedi, de retour. Ma semaine de... Ma première semaine de retour au travail. Comme je vous avais dit, ça a été assez intense. Merci, le retour. Sauf que là, c'est en train de se stabiliser. J'avais hâte. Donc, là, je suis en train de me faire un petit café. Je vais me faire un déjeuner. On dirait que j'ai... Là, il faut que je me clenche ma vaisselle avant de partir, sinon je vais déprimer. Il n'y a pas de trafic la fin de semaine. Moi, je commence à travailler à 8h. Il n'y a pas de trafic la fin de semaine. Fait que, tu sais, je peux partir vers 7h30, puis c'est bien correct. Je m'entraînerai pas ce matin. Honnêtement, ça me tente pas. C'est correct, là, je me suis entraînée pas mal cette semaine. Je vais m'entraîner dimanche, par exemple. Fait que c'est ça qui est ça. Ce soir, rien de prévu. C'est bien correct. J'ai l'impression que je vais prendre un bain relax. Je vais lire. Je vais. Oh, j'aime quand même ça, ces moments-là. Fait que bonne journée. Fait que pour mon lunch aujourd'hui, en petite collation ce matin, raisin, verre et fromage. Un classique que j'adore. Ici, j'ai mon hummus sriracha et carottes avec des petits légumes. Ma collation d'après-midi. Mon repas, c'est un WeCook. Je m'étais commandé des WeCook pour ma semaine post-vacances parce que je savais que ça ne me tenterait pas de faire du meal prep. Fait que steak de bœuf gris à la bordelaise. Honnêtement, là, c'est quand même cher WeCook quand c'est le plein prix là, parce que dans le fond, j'avais utilisé comme... J'avais pris le code promo quelqu'un, mais ça dure genre 3 semaines. Puis après ça, ben, je pense que ça revient à 90$ pour 6 repas. Là. C'est quand même cher, mais regarde. Des fois, ça dépend. Puis là, j'en avais besoin cette semaine. D'ailleurs, je vous mettrai, si jamais vous voulez comme l'essayer, mais avec un rabais. Là, parce que honnêtement, pas de rabais. Je trouve que c'est comme pas achetable. Ah, d'accord. Je vous mettrai mon... T'sais, chaque personne, dans le fond, quand vous commandez pour la première fois, il vous donne un code promo que vous pouvez donner comme à n'importe qui. Là. Fait que je vais vous mettre le lien en barre de l'information. Je les aime vraiment. Honnêtement, là, si vous avez jamais goûté à ça, les veggies crisp, légumes, orange, sont toutes bons, mais ceux-là sont vraiment écœurants. Fait que je me suis apporté ça avec une genre de... Je vais apporter ça pour refermer le sac. Et ce petit yogourt-là au cappuccino, les préférés à mon garçon. D'ailleurs, je me suis demandé s'il y avait de la caféine là-dedans. Mais ben, écoute, il aime bien ça. Fait que voilà. Et ces petits plats-là du Dollarama, je les aime vraiment. Pour mettre le mus. Fait que c'est mon lunch aujourd'hui avec une grande bouteille d'eau qui m'a bouteille. Oh mon Dieu, c'est mon comptoir est tellement sale. C'était une collection spéciale de Tupperware de Vera Bradley. Je sais pas c'est qui là, mais en tout cas, vraiment très cute. Je viens de revenir de travailler. Ça a super bien été aujourd'hui et je viens d'aller chercher une commande que j'avais reçue, que j'ai reçue cette semaine. Dans le fond, la semaine passée, on a eu une. Avec la gang de la gym. On a eu une démonstration là, de Eros et compagnie. Fait qu'on s'était booké ça. C'était bien le fun. Puis là, je suis comme... Ça se fait-tu montrer ça? Genre... Bon, je vais vous le montrer. Je vous donnerai pas d'explication. Je vais passer vite. Mais if you know, you know. On va dire ça de même. Ça me dérange pas là, de vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai quand même une bonne collection. Mais comme déjà. Puis là, j'ai rajouté des affaires. Puis je trouvais ça le fun de voir comme... Le stock en personne, parce que tu sais, des fois, tu regardes sur le site, puis pour ceux qui ne savent pas, c'est des jouets érotiques, genre. Premièrement, je peux pas croire que je vous montre ça. J'ai la crème ici, la magie du docteur.g. Ils n'en ont pas parlé à la démonstration, mais je m'en rachète un beau 6 mois. Je l'adore. Je l'adore, cette crème-là. Ensuite, je me suis acheté. C'est le fun parce que ça venait dans les petites. T'sais, je sais pas si vous savez, là, mais comme les jouets érotiques, il faut tout le temps que ça soit dans des petites pochettes comme ça, pas qu'ils se touchent, pas que le silicone se touche entre eux autres. Là. Bon, je peux pas vous expliquer exactement pourquoi, mais voilà. J'ai acheté Le Petit Prince, qui ressemble à ceci. Je ferai pas plus d'explications, OK? Ensuite, j'ai acheté le confortable, comme ça. Un gloss Eros. Alors, ça, je pense que c'était comme des gratuités, là, un genre de petit masque. Et il y avait un autre gratuit qui est venu avec tout ça. Là. Comme une espèce de. Je pense que c'est comme un espèce de masturbateur, mais qui vibre.
En tout cas, voilà. Je suis un peu mal à l'aise. Mais regarde, c'est la vie, hein? Mais honnêtement, là, mon coup de cœur, moi, c'est vraiment cette crème-là. J'ai celle aussi de la marque Ion Love. J'aime mieux celle-là. Ça de même. Ça de même, mec. Là, il est 4h10. J'ai fini un petit peu plus tôt. Puis, avec la question, on dirait que c'est drôle parce que tantôt, ma voisine, elle m'appelle, elle me texte, elle me dit, elle dit, la porte en bas est barrée. En tout cas, bref, rentrée par chez nous. Puis là, elle dit, mon Dieu, y a-t-il un rince à table? Parce que, je me suis commandé le vaccin Gardasil, là, le vaccin pour le VPH. Il y a une de mes amies qui va me le donner demain, parce que je l'avais jamais pris encore, ce vaccin-là. Fait que, puis là, je veux le recevoir. Ça venait dans une boîte comme ça, avec un... Je ne partirai pas un débat sur les vaccins, là, by the way. Mais moi, je suis de la génération qui ne l'a pas reçu d'emblée. J'ai 35. Fait que voilà. Ça venait là-dedans avec un ice pack. Fait que je vais comme le transporter là-dedans demain pour ne pas briser la chaîne de froid. Fait que voilà. Je vais me demander s'il y avait un rein sur ma table. Mais ça n'était pas le cas. Fait que là, on est samedi soir. Là, je suis seule. Je pourrais aller super au restaurant. Je pourrais faire de quoi avec quelqu'un. On dirait que j'ai envie de rester toute seule. En fait, de rester avec vous. De vlogger, en tout cas. Bref, j'ai pas tant le goût de sortir. On dirait que... c'est quand même fatigant, là, les journées de travail, puis tout ça. Puis je sais pas. On dirait que je file, genre, cosy lecture, bain. Voilà. Là, j'ai le goût de manger un ramen avec un grilled cheese. J'ai vraiment un craving de ramen. Puis j'ai le goût de me faire un petit décaf aussi. Je pense que je vais me faire. Il me reste du. Attends un petit peu. Ouh! Je pense que je vais me faire un petit décaf. Balade. C'est vraiment bon ce café-là. Le décaféiné là, de Balade. Ah, oh, mais ça sent bon. Fait que ça va être ça. Je vais me faire un petit décaf. Ça va me faire du bien. C'était ça. J'ai vraiment mieux réussi ma sauce de ramen que la dernière fois. Aujourd'hui, j'ai utilisé le petit crémeux. Au lieu de. Parce que le fromage que j'ai, c'était genre du cheddar fort. Fait que ça faisait des. Comme des espèces de grumeaux. Oh mon Dieu, ça va être délicieux. Et un classique, un bon grilled cheese avec deux tranches et de la moutarde baseball, évidemment. Faut mettre de la moutarde là, à côté pour tremper ça. Faites-moi plaisir, là. Puis essayez ça, OK? Voici ce à quoi ressemble ma salle de bain. Honnêtement, j'ai le plus petit bain de la planète. Mais c'est mieux que pas de bain du tout parce que j'adore ça, prendre des bains. Fait que j'ai un peu les jambes ramenées vers moi. Mais c'est pas grave. Fait que je suis en train de me faire couler un bain, ça va me faire du bien. Après ça, je risque de faire le montage de ma vidéo d'hier. Je vais avancer mon lavage aussi. Soirée relax, samedi relax. Hey, j'ai quelque chose à vous montrer d'ailleurs. Checker comment ça avance. Checker comment ça avance. D'ailleurs, je peux en colorier, je pense. Attendez un petit peu. On va faire ça. On va passer ensemble, excusez, ça brasse pas mal. Je suis rendue à 3570. Écoutez, il en reste pas beaucoup avant le mars. On va y arriver, on va y arriver. Je vais prendre le restant de ma soirée relax. Fait que je vais arrêter le vlog ici. Je sais que c'est pas un vlog qui est long, mais dans mon mars. Je vais tellement avoir de la misère à dire ça. Dans mon mars, je veux vraiment l'appeler de même. On dirait que, je sais pas, je trouve ça très drôle. Ben, il va y avoir des vlogs qui vont être un petit peu moins longs. Puis, tu sais, c'est bien correct, ça fait partie de la vie. Surtout sur, genre, des journées de travail comme ça ou des journées super simples. Là, fait que, voilà. Hey, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se dit à la prochaine. Bye!